Quand les gens disent que la Bible est inspirée, ils font référence au fait que Dieu a divinement influencé les auteurs humains des Écritures, de telle manière que ce qu'ils ont écrit était la parole même de Dieu. Dans le contexte des Écritures, le mot « inspiration » signifie simplement « inspiré par Dieu ». L'inspiration signifie que la Bible est vraiment la parole de Dieu et rend la Bible unique parmi tous les autres livres. Bien qu'il existe différentes opinions sur le degré d'inspiration de la Bible, il ne fait aucun doute que la Bible elle-même affirme que chaque mot de chaque partie de la Bible vient de Dieu. 1 Corinthiens 2, 12-13, 2 Timothée 3, 16-17. Cette vision des Écritures est souvent appelée inspiration plénière, verbale. Cela signifie que l'inspiration s'étend aux mots eux-mêmes, et pas seulement aux concepts ou aux idées, et qu'elle s'étend à toutes les parties de l'Écriture et à tous les sujets de l'Écriture. Certaines personnes croient que seules certaines parties de la Bible sont inspirées, ou que seules les pensées ou les concepts qui traitent de la religion sont inspirés. Mais ces points de vue sur l'inspiration ne correspondent pas aux affirmations de la Bible sur elle-même. L'inspiration plénière, verbale, complète, est une caractéristique essentielle de la parole de Dieu.